Nous allons aller dans le sud, précisément dans Torbec, commune Torbec, nous allons aller à Cafou de Rou, et gagner un ensemble de dispositions qui étaient prêtes pour que changer le visage de la zone ça, et un ensemble de travail qu'il y a infrastructure qui était terminée, n'est-ce pas? Et là, le week-end, nous allons voir dans quel niveau de travail ça y est, qui ça travaille ça est capable de porter, et dans quel sens travail ça y est, pour aider les gens dans la zone ça, les gens Torbec, les gens Cafou de Rou, les gens qui habituent à fréquenter la zone là, pour aller en souffle, les gens pas gagner pour circuler. On regarde tout ça en image, toujours avec Cardine et puis Hervé. Téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale d'Haïti, toujours un plaisir pour nous croiser ensemble avec vous dans l'idée pour nous capable permettre de gagner le coup ensemble travail qui a été exécuté sur le terrain même et là pour jeudi à la nous trouver dans zone bureau qui c'est deuxième section communale Torbec côté nous pourra permettre de gagner le coup travail qui a un changement avancé la construction route qui a fait bureau pour mener jusqu'à la commune Chantal et en même temps nous pourra profiter regarder nous capable jeune population pour nous parler ensemble avec eux pour nous aider nous comprendre comment réalité route BOA l'unité avant ça et pour jeudi à comment ils peuvent vivre choses ça qui a fait dans la communauté paroisse en a suivant ça. Même travail là, c'est un travail qui vraiment nous a nécessité. Si je dis à le travail là, la fête là, nous par contre, qui comment nous a dit ça, c'est un travail côté que la population a l'étape. C'est un travail, au contraire, l'idée a porté résultat, l'idée a porté fuir pour la communauté. Au contraire, c'est un travail si toutefois, tu as des possibilités pour le fait. Là, toutes 54 localités qui sont dans la deuxième section, pas maintenant. Pour moi-même, je dis bon Dieu, merci. Parce que c'est la première base de développement, c'est ça. Si depuis qu'il y a une route, tout est possible. Moi, je travaille bien fait avec le président, je travaille bien fait travail là. Nous remercions l'Empire pour le travail ça l'a fait aussi. Est-ce que vous pensez que le travail ça qui a fait là, pour permettre que tout le monde aille à l'école plus rapide dans la zone? Oui, ça permet de nous aller à l'école plus rapide. Et puis devant là, où tu as un pilier tout le monde là, où tu as un arrêté. Tenu sous ça là la boue. Là, dit président, merci un peu pour le travail ça l'a fait. Pour moi, je me sens très bien, son meilleur travail qui était capable de faire. Parce que les autres là, t'es un pied, elle était posée un peu le problème, pas bon ici. Parce que l'un besoin est passé avec les véhicules à circuler, les autres là, t'es tellement très étroite, qui était posée un peu le problème pour nous. Nous n'avons pas de circuler le même pied, qui a marché sur route là, nous n'avons pas de circuler. Et puis les deux véhicules croisés, tout ça, t'es qu'on a rencontré un peu le problème, pas bon ici pour nous. Quand je me sens lui encore mieux parce que. Si qu'il a servi très là, il y a un côté pour passer qu'on y a. Motocycle, il y a un côté pour passer, machine, il y a un côté pour passer, ou même qui piéton en tout, c'est qu'il y a un côté pour passer qu'on y a.
Voilà, téléspectateurs et téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, là, nous sommes dans la deuxième section communale Torbeck, puisque nous sommes dans la section communale Béro, et là, il y a un travail de construction route Béro qui a fait, et une bonne possibilité pour être capable de connaître comment la population même réagit par rapport avec ensemble travail ça, ou comment il y a un travail ça qui a fait là. Mais en même temps, il faut que je signale nous que la construction route Béro est en valeur 2,5 km, et pour qu'on y a, selon toute dernière information, responsable de communiquer nous, il y a déjà pratiquement à PK2, il y aurait été seulement presque 600 mètres pour être capable d'achever le travail ça et remettre la compagnie CNL, puisque c'est eux-mêmes qui sont capables de déposer asphalte sous route Béroa. Écratine des Anges depuis département sud, section communale Béro, Télévision nationale d'Haïti. Là, nous faisons plusieurs départements. Hein. Nous faisons département nord, nous faisons département nord-est. Nous sommes passés dans le sud, nous sommes dans le Grand-Anse. Nous sommes passés dans l'ouest, nous disons si nous pas arrêter, nous faisons NIP. Et c'est une façon pour nous une idée de comment ça y est, de quelle qualité de travail qu'on a réalisé. Impact travail, ça, on est capable de gagner. Parmi chaque semaine, nous allons sur le terrain pour nous voir qui ça caravane a réglé, qui ça caravane a réalisé et dans quel niveau de travail qu'on a fait. Je suis capable de faire une différence. TNH, nous tous côtés, puisque Fon Kembe est informé, Fon Kembe est connecté. Là, nous allons prendre direction Parlement haïtien, précisément Chambre députée, puisque hier soir, plus de 15 heures de débat au niveau du Sénat de la République. Pour déclaration politique générale, Premier ministre nommé Jean-Henri Séan. Finalement, 21 sénateurs votés pour, il y a 2 qui font abstention, et puis il y a 5 qui votent contre. Et là, M. Jean-Henri Séan est passé, première étape là. Deuxième étape là, il était prévu pour 3 heures, mais une séance au niveau du Sénat, il finit matin vers 7h, 7h30. Et là, il y a un député qui commençait à priver. Kenly Wilson, il est sur place pour TNH. Avant de nous refermer l'émission, on a regardé comment ça y est, qui j'ai en réalité à présenter au niveau de la Chambre des députés avant séance en démarrer, qui s'accrète tout faire et c'est en salle pour commencer. Kenly, bonsoir, dis-nous comment ça y est. Merci Serginho Lindor. Environ 20 minutes après 6 heures du soir, comme vous êtes capable de remarquer les amis téléspectateurs, téléspectatrices, télévision l'État, nous toujours au niveau de la salle de séance de la Chambre des députés, en salle de séance qui attend arriver Premier ministre nommé, on a parlé de notaire Jean-Henri Séan, accompagné de tout membre cabinet ministériel là et de 4 secrétaires d'État yo, qui gagnent pour que vous arrivez là, puisque j'en connais déjà dans une note qui était sortie dans le bureau Chambre des député a te gagné une séance de ratification politique générale Premier ministre nommé Ahmed Jean-Henri Séan qui était prévu à faire jeudi depuis à 3h de l'après-midi. Et là, plus passé 3h de temps après, nous toujours pour aucune séance qui commençait, mais vous capable de remarquer avec nous sur l'écran, on gagne déjà plusieurs députés qui déjà présents au niveau de la salle de séance. Et Kounia là, déjà, c'est le président de la Chambre des députés qui, pendant la parler là, pour annoncer que séance va démarrer. Et nous connaissons ces appels nominaux qui pourra le faire pour que vous capable de constater si il y a un quorum au niveau de la salle de séance de la Chambre des députés. Et à partir de ce moment, séance dans lui-même, il va le gagner pour commencer. Nous avons rappelé que nous avons besoin de 61 députés au minimum pour que un bien capable de gagner un quorum qui constate au niveau de la salle de séance pour que séance ça lui-même capable de commencer. En avant d'aller, quittez-nous juste rappeler que déjà le cabinet ministériel, les ministres, les secrétaires d'État, ils ont déjà dehors, selon ça que nous apprenons, ils ont déjà arrivé et ils sont présents au niveau de Parlement haïtien pour que yo capable vienne participer dans séance ça en séance côté Premier ministre nommé Abralguin pour le présenter politique générale. Et là c'est appel nominal qu'a fait amis téléspectateurs téléspectatrices télévision l'État, nous invite au suivre. Président Amilcar Myriam, monsieur le premier secrétaire Jean Wilher Jean, madame la deuxième secrétaire Alexandre Gerda Benjamin, monsieur le questeur Bernard Anous, monsieur le vice-questeur Bonhomme Louis-Marie, monsieur le député Adrien Frist, Alcide Rodney,
Monsieur le député Alexandre Germain Fils. Alsace Hubert Dieu. Monsieur le député Antoine Junior Alfredo. Monsieur le député Apollon Enel. Absolument.